Salut à tous, c'est Nectar11 et bienvenue pour le 23ème épisode du Let's Play de Pokémon Crystal. Alors sinon, la dernière fois, dans le dernier épisode, nous avons enfin capturé Suicune. Donc pour cela, on va continuer notre aventure. Sinon, avant toute chose, bien sûr, Suicune, je vais l'entraîner dans mon équipe, hein, d'ailleurs je l'ai mis. Donc le voici. Et sinon, j'ai viré Psychoquack. Parce que, de toute façon, il ne m'est plus d'aucune utilité. Hein. Donc du coup, je vais lui apprendre l'attaque Surf. Histoire d'avoir un Pokémon que j'entraîne justement qui connaît cette attaque. Puis bon, au moins ça va combler un peu ses attaques de merde. Donc voilà, Suicune. Ok. Allez, on va effacer. Donc voilà, il a gros yeux, bulle d'eau dans Split Tornade. Bon, des attaques pas terribles. Hein. Donc du coup, je vais supprimer gros yeux. Voilà. Parce que bon, encore Bulldo, ça peut m'être utile si jamais j'ai plus... Enfin, je suis à court plutôt de surf. Mais bon, là, ça devrait le faire. Donc voilà, bon, on va prendre la bicyclette. Ok. Là, je pense qu'on va se faire une petite série de dresseurs. Parce qu'après, on va attaquer la route glace. C'est vraiment une partie d'aventure que j'aime pas du tout, en fait. Ouais, on a tout. Pas terrible. Enfin, là, je trouve pas mignon, quoi. Bon, allez. H-Sim, attaque, morsure. Hop là, OHKO. Ensuite, Kadabra, s'il veut. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Est-ce que je vais lui faire un OHKO avec une vive attaque? Nous allons le savoir. Non, il résiste de peu. Ouais, préscience, donc de toute façon... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une attaque qui attaque pas directement. Bah, de toute façon, il est déjà KO, comme ça c'est fait. Voilà. Ok, bon, il a perdu. Comment? Hein? Bon, allez. Bon, ça, on s'en fout ce qu'il y a dans l'arbre, de toute façon. Là, il y a quoi? Max repousse, ouais, ça peut toujours m'être utile. Ensuite. Je pêche comme un méga dingue. Je fais des combats aussi. Les Pokémon, je les aime aussi pour ça. C'est bien. Dans Pokémon, hein, de toute façon, les dresseurs, ils ont toujours des dialogues qui servent un peu à rien. Ok, Remoraid. Ouais. Allez, attaque retour. Franchement, vivement qu'il évolue en Mentali. Parce que là, franchement, le fait d'avoir de ne pas encore avoir fait évoluer mon Evoli, ça me fait penser un peu à la Sacha dans Pokémon. Enfin, du moins dans les premières saisons, parce que le mec, je sais pas, il a des petits Pokémon, mais il arrive à aller jusqu'à la Ligue Pokémon avec, quoi. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Donc, maintenant, heureusement qu'ils ont un peu corrigé ça, on va dire. Mais voilà, quoi. Le mec, il avait Carapuce, Bulbizarre. Il arrivait à aller loin dans la ligue, mais bon, c'est pas pour autant qu'il gagnait. Alors, tu m'as fait perdre un petit tard. Tu vas t'excuser, ouais. Bah, t'as qu'à savoir pêcher, ouais. C'est bon pour qui, lui aussi, là. Juste un pêcheur veut se battre. Voici Ren, si tu veux. Ok, Ashton Go. Allez, on va le spammer de retour. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ouais, relais, non, je vais pas lui apprendre. Ouais, j'arrête d'apprendre relais. Ensuite, Poissirène. Bah, pour le coup, je vais mettre Kiki et je vais l'entraîner jusqu'au niveau 37. Allez. Voilà. Putain, j'ai même pas soigné. Enfin bon, c'est pas grave. Du moins pour le moment. Ok. Oh, coup critique. J'avoue, je ne sais pas s'il avait résisté. Enfin, s'il aurait résisté. Ok, passe au roi. C'est pas pour autant que je me fais peur. Mimiqueux, si ça t'amuse.
Allez hop, crache-tu dans la gueule, acide. Ok. Bon, voilà. Je te pardonne. Bah, de toute façon, cela serait revenu au même. Jeu des Pokémon rares, ya. Alors lui, il est trop chaud. Et on se bat contre Pokémaniac, qui celui-ci a une tête de psychopathe. Rhinocorne, ouais. Donc là, du coup, je ne peux rien faire. Et en plus, j'ai oublié de mettre Kiki en premier, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je vais mettre Suicune. Parce que là, pour l'instant, à part Suicune, mes autres Pokémon ne peuvent rien faire contre lui. Allez, Buldo, histoire d'y aller en douceur. Ok, ça c'est bien. Ok. En plus, il a vécu Rhinocorne. Enfin bon, tant mieux. Donc là, je vais mettre Kiki en premier. Voilà. Et sinon, je sais pas si j'ai pensé à le faire. Ouais, la pièce rune. Histoire de doubler l'argent lorsqu'on gagne des matchs. C'est bon, là? Ok, d'accord. Alors, qu'y a-t-il ici? Hyper Ball, ouais, pourquoi pas. Ensuite... Tu as du talent, ça se voit. Mais comment dire? Je suis plus fort. Ouais, lui, il a pas les chevilles qui enflent non plus. Enfin bon. Ok, donc cette fois, on se bat contre Top Dresser. Ces dresseurs-là, bah, disons que... Que sont les dresseurs qui ont un meilleur grade, en fait. Parce que, bon, il y a plusieurs types de grades, hein. Vous avez vu, il y a Pique-Nique, il y a Gamin, il y a Fillette. Bah, les meilleurs, c'est Top Dresser. Enfin, du moins, c'est un des meilleurs. Sans compter les champions d'arène et tout, bien sûr, hein. Mais voilà, quoi. Ok, Grimace. Ah, putain, j'ai même pas fait gaffe que je suis contre un Reptincelle. Enfin, bon, de toute façon, il va pas me foutre KO, normalement. Enfin, j'espère. Ouais. Nickel, ok. Bon bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ok. Peuf, même pas mal. Ouais c'est ça ouais. Enfin du moins c'est sûr que t'as pas mal ton Pokémon qui prend tout dans la gueule. Donc bon. T'as l'air fort. Ça te dirait un petit challenge? Allez vas-y. Alors, Top Dresser veut se battre. Pas d'illusion. Si tu veux. Ok, bon. On va lui faire un acide dans la gueule, hein. Ou quoique, je vais l'endormir, tiens. Voilà, nickel. Parce que je sais qu'il a des attaques genre poudre de dos, parasport, etc. Donc, soyons prudents. Puis on va le spammer d'acide. Ouah, en plus sa défense diminue. Ok, voilà, ça c'est fait. Bon bah c'est bien. Ah bah c'est parfait. Donc là du coup, vu que mes autres Pokémon sont au niveau 40, je vais jongler avec Kiki et Alcim en fait. Mais jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau 40. Après bien sûr, je les entraînerai... De façon normale, quoi. Enfin, chacun à leur tour, en fait. Ok. Allez, attaque retour. En espérant qu'il va pas me faire un parasport. Ok. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Attaque retour. Ah ouais, elle a pas le temps. Ok, allez, ça commence. Ok, bah, bien sûr. Bien sûr, allez, lance-soleil dans la gueule. Vas-y, allez. Il attaque. Putain. Ouais, c'est ça, ouais, non. Vas-y, attaque, Alcim. Ah, ça, c'est bien. Bien joué.
Ok, bon bah c'est cool. Oh, rien compris. Bah c'est normal, c'est moi le plus fort. Non, je déconne. Le mec qui se vante pas. Bon. Total soin. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Non, sur Asim, pas sur Kiki. Puis en passant, je vais profiter pour mettre Asim en premier, avant que j'oublie. Alors, super potion. Ouais, sur Asim. Ok. Putain, j'ai presque plus d'objets de soins. Donc voilà. Donc c'est parti, on va entrer. Bon, avant on va se le faire lui. Mais après on va rentrer dans la route glacée là. Ok. Coucou, si tu veux. Asim, go. Allez, on va spammer de retour. Ah, il résiste. J'avoue, j'avais cru que j'allais lui faire un KO en un coup. Mais bon. Heavy attaque. Ok. Bon, il a un autre recours, visiblement. Bah moi je vais encore faire retour. Ok, bon, lui commence par vive attaque s'il veut. Ok, bon bah moi je vais faire vive attaque pour le devancer. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, bon bah c'est déjà pas mal. Alors toi, tu rigoles pas. Ah non, moi j'ai pas le temps. Bon bah on va enfin rentrer dedans. Donc déjà pour commencer je vais mettre des repousses. Voilà. Donc bon. Sinon hein, je vais faire en sorte de ne pas tout fouiller la grotte. Hein. Moi je veux juste continuer dans mon aventure. Je sais que dedans il y a un objet important. Qui est juste ici normalement. Donc voilà. Donc là, bah, il s'agit d'un petit casse-tête. Hein. Donc je suis pas du tout fort à ça. Enfin c'est même pas que je suis pas du tout fort, c'est que j'ai tellement la flemme de réfléchir que voilà en fait. Voilà tout. Ah bah là ça va, j'ai eu un coup de chance, j'ai fait ça en un coup. Tant mieux. Ok. Bon là, pour l'instant c'est facile. Ok, CS7. C'est quoi, c'est cascade? Non franchement je m'en rappelle plus, je vais regarder. Ouais, nickel, cascade. C'est bien. Hop, hop. Ouais, bon, voilà. Effet du repousse terminé. Putain. Ouais, on va spammer de super repousse de toute façon. Hein. Parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec les Pokémon sauvages. Donc voilà. Voilà. Ah ouais, putain, faut l'attaque force. Bon bah je vais apprendre ça à mon Typhlosion. De toute façon je pourrais toujours la supprimer après, mais bon. De toute façon là, Typhlosion n'a pas des attaques intéressantes, du moins pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va oublier? Bah je vais... ouais. Je vais virer gros yeux. Encore brouillard, ça peut me servir dans des cas extrêmes, mais bon. Voilà, ça c'est fait. Bah tiens, en passant, je sais que en off, j'avais pris la CT point éclair. Donc normalement, Typhlosion, il peut la prendre. Allez, point éclair. Voilà. Lucas, il tente de prendre point éclair. Ok. Alors, oubliez que l'attaque, bah brouillard du coup. Hein. Voilà, donc du coup, il n'y a que des attaques. Donc bon, bah pour les stratégiques, hein, vous avez compris. Typhlosion, enfin du moins Ryukai, c'est un bourrin. Donc voilà. Ok, donc bon, on va utiliser l'attaque force. Hein. De toute façon, ouais, je pourrais toujours la supprimer par la suite. Donc ouais, faut mettre les rochers dans les trous. Hein. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite,
Merde. Alors comme un con, moi je tombe dedans. J'ai tout compris. Est-ce qu'il y a un objet ici? Non, bon c'est pas grave. Ouais. Ah franchement c'est chiant les passages comme ça. Enfin du moins les grottes c'est vachement chiant. Donc bon là ce que je vais faire, bah je vais essayer de terminer la grotte dans cet épisode parce que je vais surtout pas faire cette grotte en deux épisodes. Parce que ça serait vachement trop galère en fait. Donc voilà. Par où je dois aller là. Bon. Ok. Ouais, c'est bon. Allez. Ah, évidemment, ça doit être terminé. Ok, bon, ça va. Il m'en reste encore deux. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait aussi. Après. Après, on doit s'occuper de ce rocher-ci. Allez, on pousse. Voilà. Ok. Bon, voilà. Pour l'instant, ça se présente bien. Je fais pas de fail, donc ça va. Ensuite. Après, on doit s'occuper de celui-ci, normalement. Ok. Ouais, après je dois le mettre ici. Non, j'ai fait une connerie là. Ou pas. Non, non, j'ai pas fait de connerie. Voilà. Ouf, putain, il faut surtout pas que je le pousse dans le coin parce que sinon c'est mort. Ok. Ok, ok. Bah voilà, c'est cool. En plus j'ai un total soin, c'est bien. Bon bah... Ok, c'est bien. Ok, y'a rien, bon bref. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Au coup c'est terminé, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, parce qu'on va en remettre un autre. Allez ensuite, qu'y a-t-il ici? Glace ternelle, ça c'est pour augmenter les attaques de type glace. Ouais, ok. Non, là je suis revenu où j'étais en fait. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, je dois aller ici. Ouais. Est-ce que je vais essayer de prendre l'objet, tiens? Oh putain. Merde. Ouais bon, je verrai plus... Ouais, je verrai plus tard. Je verrai plus tard. J'ai pas envie de me casser la tête. Ok, d'accord. Bon là, franchement, c'est vraiment au pif. Ah, à faire, c'est pas mal. Bah du coup, je vais donner ça à Sim. Parce que bon, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on donne des objets à des Pokémon, peu importe, à part les objets de soins comme, je sais pas, herbe racine et tout. Ouais, les objets à la base, ça améliore l'amitié du Pokémon qu'il a envers le dresseur en fait. Voilà, la défense elle monte, tant mieux. Même s'il a pas spécialement besoin de défense, mais bon. Ouais, repousse c'est terminé. Franchement c'est abusé que c'est compté comme pas quand même les... Enfin les glissades là. Enfin lorsqu'on patine sur la glace. Alors... Ouais merde, je sais même plus ce que je dois faire. Non c'est bon en fait, tant mieux. Ensuite... Protéines, décidément. Bon bah protéines je vais la prendre. Enfin je vais la prendre. Je vais donner à mon Ryukai. Histoire qu'il ait un peu d'attaque, parce que je vais aussi lui apprendre des attaques physiques. Hein. Voilà. Enfin, quand je dis que je vais lui apprendre des attaques physiques, je dis ça
comment dire, parce que bon, il y aura un moment où voilà, à mes Pokémon, je vais leur apprendre des meilleures attaques possibles, quoi. Donc ouais, ce que j'ai voulu dire, c'est que Ryukai ainsi que d'autres Pokémon auront des bonnes attaques. Enfin bref, enfin, j'ai dit que de la merde. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais bon, voilà quoi. Ok, bon bah c'est pas mal. Franchement, cela n'a pas été très long. Donc ouais, c'est pas mal. Je suis content. Ok, bon bah c'est sur cette sortie de cette grotte qu'on va se laisser ici. Bon, j'espère que vous êtes pas trop ennuyés. Donc enfin bon, voili voilou. Puis donc sinon, c'était le 23e épisode du Let's Play de Pokémon Crystal et je vous dis à très très vite et portez-vous bien. Ciao.